On va commencer par le moustiquaire latéral. Le moustiquaire latéral, on déclenche les deux petites attaches qu'il y a ici. On le descend. On ouvre les fermetures éclair. On ferme les fermetures éclair. D'accord. Ce qui est toujours mieux de faire, c'est de tirer sur le moustiquaire pour entrer dans votre véhicule. Parce que si on fait le contraire, le moustiquaire vient frapper dans le marchepied. Et puis le petit aimant qui est ici, il casse. Puis là, ça peut occasionner des frais. On remonte le moustiquaire. On vient rouler notre moustiquaire. On vient le rattacher par l'intérieur, comme ça dit. On peut barrer nos portes, ici comme ça. Ensuite, ici, on a les disjoncteurs. Bon, les disjoncteurs, en haut, on a le breaker principal. Le breaker principal, le disjoncteur principal, on le met toujours en on. Toujours. Ensuite, on a le chargeur de batterie. Le chargeur à batterie, c'est pareil, on le laisse toujours en on. Tout le temps. Les outlets, ça se trouve être toutes les prises électriques du campeur. On le met toujours en on. Le seul qu'on laisse à off, c'est la tank à l'eau chaude. Pourquoi je dis qu'on le laisse toujours à off, la tank à l'eau chaude? Parce que on veut éviter que la tank, lorsque vous êtes branché chez vous, que la tank surchauffe. Fait qu'à ce moment-là, ben, on prend l'habitude, quand on arrive au camping et qu'on est branché, de le mettre en on. Puis quand on part du camping, on le met à off. Ça évite la surchauffe. Oui. Ici, on a la douche extérieure. On met la douche extérieure. On vient fixer ici. Ça. Et on a nos valves de pression qui sont ici pour ajuster notre douche à l'extérieur. Vous avez aussi un petit on-off qui est sur le dessus de la douche qui est ici. On peut monter la banquette arrière. La manière que ça fonctionne, c'est comme ça. On place, on vient lever nos deux pattes. Ici comme ça. Et on vient réinstaller notre banquette arrière. Un peu plus haute pour avoir un plus grand espace de rangement. Ici, c'est le remplissage de votre tank d'eau potable. On prend notre boyau d'arrosage. On vient remplir ici votre tank d'eau potable. Lorsqu'elle va être pleine, vous avez un petit l'air qui va sortir ici, ça va être de l'eau. Quand il sort un petit peu d'eau, on arrête, la tank est pleine. On vient remettre notre bouchon et le tour est joué. Lorsque vous arrivez au camping, on branche l'eau ici. C'est votre branchement d'eau pour le camping. Votre électricité vient se brancher ici. Comme ça. Avec votre fil jaune. Adapter le fil ici. Comme ça. Et on vient brancher l'électricité. Si c'est un 30 ampères, on laisse la prise comme ça. Si vous êtes chez vous, on met l'adapteur pour aller dans une prise 120 volts.
ici, vous avez l'aide au démarrage. L'aide au démarrage, c'est un petit bouton qui est ajouté ici en option. Là où, si vous oubliez vos lumières, votre batterie est morte, vous arrivez pour partir votre véhicule, ça ne part pas. On vient pousser sur le bouton ici. Ce bouton, là, nous sert à aller chercher l'énergie des batteries qui sont en arrière, l'amène en avant. On tient le bouton enfoncé. On starte le véhicule. Après ça, on le relâche. Ils appellent ça le bouton d'aide au démarrage. Dans tous les campeurs, on a le siège côté passager qui pivote. C'est une petite manette qui est située sous le siège, une petite manette rouge. On la pousse vers le côté chauffeur et on fait simplement sur notre siège. À ce moment-là, le siège peut tourner et puis on peut parler avec notre visite, jaser avec notre visite qui est à l'avant. Et puis, on ramène notre siège comme ça. Et voilà. Et on le recule. Et tout est beau. Tout est sécuritaire. Ici, nous avons notre contrôle d'électricité du campeur. Ça s'appelle un Go Power. Présentement, on a 100% de batterie. On vient appuyer sur le bouton B. Ça nous donne 13,6 volts sur nos batteries. On appuie sur le B. Présentement, nos panneaux solaires nous donnent 2,1 ampères. On utilise simplement le bouton B, toujours. 100%. Ce qui est très important, c'est de vérifier toujours le voltage de vos batteries. Le voltage, il ne faut jamais descendre en bas de 11,7 et 12 volts. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en bas de 11,5, votre frigidaire ne fonctionnera plus, ainsi que le système de chauffage va arrêter. Fait que c'est très important de toujours vérifier notre voltage de batterie. Ici, nous avons le bouton pour l'onduleur. L'onduleur, présentement, là, il est à off. Je le mets à on. L'onduleur, à quoi il sert? Lorsque vous êtes en autonomie ou à une halte routière, c'est lui qui va transformer le voltage 12 volts en 110 volts. Pour faire fonctionner votre micro-ondes, par exemple, ben, vous allez appuyez sur le bouton pour que votre onduleur soit à on. Ensuite, vous allez être capable de faire fonctionner votre micro-ondes. Idéalement, toujours partir le véhicule parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et puis là, il faut vérifier le voltage de vos batteries pour pas trop que ça descende. Quand on a terminé, on remet le bouton à off. Alors, ici, nous avons les boutons de lumière. Et le petit bouton bleu ici, c'est pour actionner la pompe 12 volts pour avoir de l'eau à notre robinet. Ici, comme ça. À ce moment-là, vous allez avoir de l'eau dans votre robinet ici. Quand on n'a pas besoin, on l'arrête. Votre système de chauffage. Votre système de chauffage, c'est un Webasto. Lorsqu'on démarre le Webasto, on le démarre toujours au maximum. Toujours au maximum. Lorsqu'il fonctionne, on le laisse au maximum pendant entre 5 et 10 minutes. Ensuite, on le ramène à la température désirée. C'est parce que c'est une petite machine qui est bien performante, puis il faut, pour pas qu'elle s'encrasse, il faut partir le Webasto au maximum. Bien sûr, il ne faut pas l'utiliser quand le véhicule est en marche. Parce que ça fait une petite restriction d'air à l'arrière. Il y a un petit muffler. Et puis, ça fait que ça encrasserait le Webasto. Et puis, il deviendrait défectueux. Fait que lorsqu'on roule, on ne le fait pas fonctionner. Ici, nous avons la barrure du frigo. Pour pas qu'il rouvre quand on est en marche. On la pousse sur ce côté-là. Et on vient lever la poignée noire pour ouvrir notre frigo. Vous avez ici une petite roulette avec des chiffres. Ça l'indique le froid dans votre frigo. 0, c'est 0 et 7, c'est le maximum.
Si vous êtes en mode autonomie, moi, je vous dirais, mettez-le toujours à 2,5 ou à 3. Ce que j'entends par autonomie, c'est lorsque vous n'êtes pas branché au camping ou chez vous. Quand on n'a pas de besoin, ben, on le met à 0 et le frigo ne fonctionne plus. Vous avez un petit bouton noir qui est situé ici sur le côté. On vient peser dessus et on lève doucement la table pour l'enlever. Pour enlever votre poteau, vous avez un petit bouton noir qui est au pied ici. On vient peser dessus avec le pied et on tourne notre poteau pour enlever notre poteau de table. On vient tirer sur notre banquette, comme ça. On fait de même pour l'autre. Et on vient installer notre lit comme ça. Pour refaire nos bains, on fait le contraire. On attend le premier déclic. On relève le bain à sa place. On fait la même chose pour le deuxième. Lorsqu'on refait notre table, on vient visser notre poteau sur son socle. On pèse sur le bouton. On visse. Et ne le serrez pas trop fort. Si vous le serrez trop fort, vous ne serez pas capable de le dévisser. La même chose. On l'installe. On la laisse aller. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut la tourner toujours dans les sens de l'aiguille, des aiguilles d'une montre. Et ensuite, on peut soit la mettre dans cette position-là, ou comme ça.